Salut les petits loups, comment ça va? Nous on a bien dormi. Alors cette nuit j'ai fait un drôle de rêve, j'ai rêvé qu'on me piquait ma meule. Et ben non, elle est là. T'as vu? Voilà. Ouf, sauvé, on va pouvoir reprendre la route. Voilà, petit déj du matin, céréales. Parfait. On a un peu. Donc des céréales, des amandes, des raisins. Et le petit café qui va bien, qui va arriver. Voilà. Ben, on va remballer. Ah voilà. Donc je te présente le matériel. Voilà. Donc le contenant, ben, c'est le SW Motec Dry Bag 600 avec la. On a mis dedans le tapis de sol pour protéger le tapis de sol de la tente. Dedans on met les sacs de couchage, donc les Trek de chez Decathlon, donc les Trek 500, bien chaud, taille L. Donc on en met deux. On met trois oreillers. Ouais. Pourquoi trois oreillers, Claudie? Parce que moi il m'en faut deux. Ah bah voilà, c'est plus confortable quand on est deux, c'est bien connu. Après, qu'est-ce qu'on trouve encore? Toujours chez Fort Class, les matelas. Donc les Trek 700, ultra compact. Gros avantage, c'est que bah, ils pèsent que 510 grammes chacun. Donc c'est assez appréciable, surtout en moto, puis aussi dans ton sac à dos éventuellement. Et ils sont vachement confortables en plus, et pas très loin à gonfler. Ça se gonfle à la bouche par contre. Voilà. Bon. Et ici donc les deux chaises que tu as vu tout à l'heure dans la vidéo, et bien sûr la tente, hein, qu'on va mettre en premier dans le fond du sac. Voilà, et comme on dit, l'affaire est dans le sac. Allez, on reprend la route. Au revoir. Là-bas il y a des vignobles. Tout en face, c'est toute la vigne pour du champagne. Ben voilà, première étape de la journée, le château de Ferrentin-des-Noix, le fameux château. Beaucoup de motards vont, ben voilà, regarde, il est là. Non mais quand même, faire tant de kilomètres pour voir que des ruines, tu crois que c'est bien? Je sais pas, hein, mais en même temps, c'est quand même magnifique quoi. Ça, c'est à quoi ressemble le château. Oh, regarde, on a un petit copain. Un petit copain là-haut. Regarde, les filles. Ah, on a des petites hirondelles. Voilà. Regarde, on a des hirondelles là-haut. Et voilà, donc ce fameux château qui remonte à un petit peu avant l'an 1000, qui a subi différents assauts, différentes histoires, dont je peux te mettre le lien.
aussi, parce que là, comme ça, de tête, difficile à retenir. Toujours est-il qu'il a été abandonné depuis après la Révolution. Le mobilier, tout ça, c'était vendu aux enchères, etc. Et donc, depuis cette période-là, jusqu'en 1971, où un industriel l'a racheté, un industriel du coin a racheté ce château, enfin les ruines, et il a entrepris de le rénover. Et c'est une association de bénévoles, comme bien souvent, qui gère l'entretien des ruines. Se reconstruire, ça va être difficile, mais au moins consolider les ruines pour qu'on puisse encore en profiter quelques années. Mais c'était un très très beau château, hein. Tu l'as vu sans la gravure. C'était magnifique comme château. C'est le château de fer en Tardenois. Voilà. En propriété privée. Voilà, donc ici on va voir la tombe de Raymond Notre-Amery, donc comme je te disais, qui a racheté les ruines et qui l'a confié au conseil général du département de l'Aisne en 84. Lui est décédé en 88. Apparemment c'était un fabricant de tubes flexibles. Et donc voilà, il a été enterré ici. Et c'est grâce à lui en fait que les ruines ont été en partie sauvées. Bien qu'on ne sait pas si ça va tenir, mais bon, en tout cas, c'est maintenu, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on peut lui dire un grand merci à ce monsieur. Voilà. Voilà, et ben on va reprendre la route. Parce que, en fait, il est déjà midi, et on a encore 250 bornes avant d'arriver à notre dernier point touristique. Et après, on a encore 140 bornes d'autoroute pour rentrer à la maison. Voilà, donc on n'est pas rendu. Voilà, allez, on the road again. Allez, ici on s'est arrêté à Fismes, c'était pas prévu au programme, mais d'abord on a vu l'eau. Et puis on a vu ça, la bataille de Fismes. Donc on est toujours là, je pense qu'on va rentrer de plus en plus sur les traces de 14-18, de la guerre 14-18. Et ici, en fait, c'est un genre de mémorial, puisque ici à Fismes, il y a eu des combats partout dans la ville pour que les Américains tentent de débusquer les Allemands, puisqu'en fait, ils étaient fin bien implantés dans cette ville. Et donc il a fallu y aller vraiment au corps à corps. Apparemment, les Américains avaient même creusé un tunnel quelque part pour essayer de percer les lignes. Mais donc pareil, j'essaierai de te mettre un lien, peut-être sur Wikipédia, sur la bataille de Fismes. Je ne vais pas te lire tous les trucs, mais voilà. Apparemment, c'était assez chaud. Voilà. Comme aujourd'hui, il fait très chaud, on a 27 degrés, et c'est bien, ça va, cool. Et donc, comme je te disais, il y a pas mal de combats, c'était une position tenue, et qui a été tenue par les Allemands, qui ont mis les Américains en échec ici. Il y a eu des violents combats, même au lance-flammes. Et donc, ici, c'est à la mémoire des soldats américains qui ont perdu la vie ici à Fismes. Et voilà, donc ça a été inauguré en 2018. Voilà. Ici on est sur le... Voilà, on a un fragment du premier pont mémorial, 1928. Voilà, ce pont a été érigé par les Américains en mémoire aux soldats qui ont perdu la vie ici, à Fismes. Donc Fismes, Fimette. Apparemment c'était deux petits villages. Voilà, donc dédié à la 28e division de l'armée américaine, donc qui a été élevée par l'État de Pennsylvanie en mémoire de ceux qui donnent leur vie pour la libération de Fismes. Voilà, et ça a été inauguré en 1927.
Voilà, alors là on est sur le site de Craon, donc l'ancien village, enfin aux alentours, parce qu'on ne va pas forcément tout faire. Voilà, donc où on est là. Et en fait l'arboretum, c'est à l'endroit de l'ancien Craon. Ah, de ce que je comprends, ici on est place de la Croisette. C'est l'été, une fin d'après-midi, le village est désert ou presque. La photographie semble prolonger indéfiniment une impression de paix. Et en fait, donc voilà. Allez, en fait, donc la descente qu'on voit d'ici, ça serait la descente qu'on commence à voir là, je suppose. Voilà, donc si tu n'arrives pas à lire, c'est marqué concession à perpétuité. Donc ici, on sera vraiment dans l'ancien cimetière, dans le cimetière de l'ancien Craon. Et donc, ça serait bien ce que je viens de te montrer juste avant, c'est bien une pierre de l'église. L'ancienne église. Ouais, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment l'emplacement et les petits bâtons rouges qu'on voyait tout à l'heure. En fait, c'est le nombre de morts. Et tu en as vu combien, Claudie? 592. Combien? 592. 592. Voilà. Donc chaque petit bâton avec un point rouge qu'on a vu tout à l'heure, ça matérialise une victime de Craon. Je te cache pas que ça fait drôle d'être ici quand même. Ah, donc on est bien sur le chemin des dames et t'as le panneau là-bas et en fait tout le chemin est matérialisé par cette ligne bleue que tu vois et par des petits plots qui sont probablement allumés quand il fait nuit. Peut-être. Voilà. Impressionnant. Alors on est à l'abbaye de Vauclair. Je suis peut-être pas bien coiffé, fais pas attention parce que il fait chaud. Et voilà, donc l'abbaye de Vauclair, moi ce qu'il en reste. En tout cas, c'est vraiment 2 jours, on aurait eu 2 jours de dépaysement total. Ça se fait sur un week-end, faut pas avoir peur de rouler, pas avoir peur de faire du camping. Parce que vraiment, on a un territoire, parce que je te rappelle qu'on est toujours dans les Hauts-de-France. Si jamais t'es pas de la région, si tu viens en vacances, tu sais qu'il y a des beaux parcours à faire. Et si t'es de la région, bah moi je connaissais pas tout ça. De nom, mais jamais vu. Donc... voilà, un petit week-end, c'est en camping, c'est pas très cher finalement. Ça te fait 700 bornes sur 2 jours. Voilà. Voilà, bah ici, c'est l'entrée certainement d'un souterrain, d'une grande cave, quelque chose. Mais pour y aller, tu peux te brosser, voilà, c'est ça que ça veut dire. Tiens, voilà. Tu peux te brosser pour y aller, tu peux pas, c'est barré.
Voilà, j'espère que je trouverai plus d'infos à te donner sur ce monsieur que je ne connais pas. Donc dès que j'en trouve, moi, je te le mets en lien, genre pareil dans le descriptif de la vidéo. Bon là, il peut pas nous tomber rien comme pierre parce qu'elles sont déjà tombées. En 1914, le village est occupé par les Allemands et de nombreux habitants sont évacués à Laon. Comme toutes les autres communes de la vallée de l'Ailette, Courtecon est détruit en avril 1917 par l'artillerie française lors de la préparation de l'offensive Nivelle. En 1932-33, une chapelle a été édifiée à l'emplacement de l'ancienne église Saint-Martin de Courtecon. Voilà, si tu veux voir des photos, regarde les fourmis, elles te montrent. Alors on est vraiment sur la zone où il y avait l'ancienne église. Alors là, je ne sais pas si c'est un morceau de pilier de l'église ou une pierre tombale. Et apparemment, il y aura un tombeau à aller voir. On va y aller. On va regarder. Oh, c'est mouillé. Tu vois bien, ouais. Pas beaucoup de lumière. Hein. S'y repose. Personnellement, c'est la première fois que je le dézoome comme ça. Des os humains, parce que là, on est vraiment sur des os, sur de l'humain. Ouais. Et... on est sur la... ouais. Donc, ça a été. Donc, tous ces os ont été ramenés lors de la construction de la chapelle. Ah, voilà. Là, on va aller déjeuner. Enfin, c'est vrai qu'à 3h d'après-midi, il serait temps. Alors, c'est bien le camping en moto parce qu'on a toujours tout sous la main, n'est-ce pas? Donc là, bien sûr, on va pas replanter la tente, mais on a notre petite gamelle du midi. Alors, tu vois, on a installé le réchaud ici. Et puis, on a fait chauffer de l'eau. Et puis, on avait quelques sachets de riz, alors pas lyophilisés, mais presque. Et voilà, donc on va... Alors on mange ici à Courtecon, qui est donc, comme je t'ai dit, le village abandonné de Courtecon, qui a été reconstruit un petit peu plus bas. Et donc je pense qu'il y a bien longtemps qu'il n'y a personne qui a mangé ici. Ou au moins pique-niqué, puisqu'il y a quand même une table. Mais donc voilà, c'est original, on déjeune dans un village abandonné et disparu. Voilà, donc il ne reste que cette petite église. Voilà, Gypsy, elle est là. Elle est là, bon, t'as vu, nous on s'étale. Hein. On a des affaires là, il y a des bottes là-bas. Moi j'ai mis mes affaires là, mes chaussettes. J'ai encore des détails. T'as vu, voilà, on s'est déshabillé, on est à poil. On est complètement à poil. I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old wind won't blow no luck my way.
detain me long, for I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here, he moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This here is hard country, if you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers give you some lessons round these parts. Voilà, ici on est à Lens. Belle vue sur la cathédrale, le palais de justesse, de justice. Et puis ici, bah, tout un point de vue assez intéressant sur la vallée. Et en plus, il y a un peu de vent. Et ça rafraîchit. Ouais. On commence un peu à fatiguer quand même. Ouais, bah là, il est 17h. On a encore 250 km à faire. Donc, on va peut-être se reposer un petit peu entre deux quand même. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here, he moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your... Voilà, ben, il faut bien immortaliser la scène, parce que là on avait vraiment chaud. Il est tard, il est 18h, il nous reste encore 250 bornes à faire pour rentrer. Et là on avait vraiment chaud, on a traversé pas mal de campagnes, on n'a pas encore fini. On vient de passer Lens. Il y a une cinquantaine de kilomètres de Lens, je pense. Je ne saurais pas te dire exactement dans quel village nous sommes, mais en tout cas, on a trouvé ce petit lavoir. Et comme tu vois, on s'est rafraîchi. L'eau est non potable, malheureusement, mais voilà, on s'est rafraîchi un petit peu parce que on en avait bien besoin. Le seul truc, c'est que j'ai pas trouvé d'ombre pour Jutsi qui est là-bas en plein cagnard. Mais en tout cas, nous, on est à l'ombre et on se repose un petit peu. Voilà, c'est ça aussi la moto. On se disait qu'on n'aurait peut-être pas apprécié pareil si on était en voiture, tu vois. D'abord, en voiture, on n'aurait peut-être pas apprécié Ruta non plus. Donc voilà, c'est une petite pause et des plaisirs simples. On est allé dans le lavoir, on s'est passé de l'eau sur la tête. Enfin voilà, cool. Donc ici nous sommes à Parfond-de-Val, petit village très sympa, très typique. Ici donc on a vu cette église là, et apparemment c'est ouvert, donc on va aller jeter un œil. On va te montrer ça, regarde-moi ça. Ça fait du bien, un peu de fraîcheur.
On va visiter, mais c'est une église donjon en fait. On sait pas trop quoi dire, à part magnifique. Regarde, ça c'est pièce de bois. C'est pas du marbre, c'est du bois. Regarde l'orgue. On va aller dans la tour parce qu'apparemment on a le droit d'y aller. C'est rare des belles églises comme ça qui restent ouvertes en plus. Pour les humbles motards que nous sommes. Parce qu'il est un peu plus de 19h quand même. Hein. Franchement, c'est bien. On va monter dans la tour. Ça s'appelle découverte de la salle de refuge. Voilà. Salle. Il y a même oh, dis donc, regarde-moi ça comme c'est bien. Regardez, il y avait même une projection. Bon bah là ça marche pas. Moi ça ce travail de charpente. Et on termine la journée vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. Hein. J'espère que t'as pas le vertige, regarde. Regarde ça un peu même. Ça c'était l'entrée, nous on est garé là ici. On est rentré là. Regarde, ça c'est un blé. Ça c'est une hache, une faux. C'est passé des choses ici. Regarde ça, regarde pas encore. Regarde. Ah non, ça y est, je suis redescendu et donc voilà. Le trou du sonneur. En fait, je pense que c'est là où on passait de la nourriture. Et là ici, les trois trous pour les cloches. Voilà. Donc j'ai pris la brochure. J'ai mis 2 euros. Promis juré, ça s'est enregistré en plus parce que j'avais laissé tourner la caméra. Bravo en tout cas l'association des amis de Parfond de Val. Je vous enverrai un petit mail. Voilà, superbe. Bel aménagement. Franchement, on ne s'attendait pas à trouver ça. C'est la récompense d'une journée, d'une bonne journée de moto. D'ailleurs, je vais mettre un petit mot. J'écris très très mal. Hein. Ouais, c'est mon petit côté. Non, mais franchement, superbe. Ça, un peu fatigué de ma journée de moto là. Ben, ça rebooste terrible. Des petites choses comme ça. Voilà. Allez, on prend la route.
Bon, voilà, il est 21h, c'est ça? Il est 21h et on est arrivé à la fin de notre périple. J'ai bien failli lâcher un moment, mais voilà, donc on est à l'arrivée au château fort de Guise. Voilà, qui forcément cette heure-ci est fermé, hein, mais qui en reste pas moins impressionnant. Voilà. Alors Gypsy, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, de cette balade? Bah écoute, c'était pas mal, c'était vachement sympa à refaire, mais enfin là il me reste encore 150 bornes d'autoroute et ben voilà, c'est pas encore fini, hein, mais pour cette bonne balade, et ben ça y est, c'est bon. Ah, merci Gypsy. Voilà. Écoute, en tout cas moi je peux dire que Gypsy elle a super bien marché. C'est une sacrée bécane, polyvalente et tout, chemin, autoroute, franchement c'est que du bonheur. La 800 GS, voilà, elle était bien chargée, hein. Je remonte encore nos bagages. Donc là-dedans, tu te rappelles, la tente, les accessoires, les sacs de couchage, les matelas, la popote, enfin tout ce qui va bien. Et là-dedans, bah, un peu de vêtements, encore un petit peu de matériel. Là-bas, bah c'est mes affaires, un t-shirt, des bricoles, vraiment pas grand-chose. Il y a des trousses à outils, ma casquette, une gourde, voilà. Et puis le poste de pilotage, voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, il me reste à te dire de jamais rien lâcher, parce que franchement, tout à l'heure, quand on était dans le lavoir là, j'ai vraiment failli. Je me suis dit allez on rentre parce que c'était un peu dur. Et puis ça, on s'est reboosté un petit peu. Et puis ça a été super bien. Maintenant bah, on va rattraper l'autoroute au niveau de Cambrai. Et puis moi bah, après, let's go jusqu'à la maison quoi. Voilà, et ben à de prochaines aventures. Salut petit loup.